Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Nina. Bonsoir chef Philippe et bonsoir à vous. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances d'été. C'est la nouvelle saison donc 2023-2024 qui commence. Et nous allons faire un entremets tout à fait d'actualité puisque ça va être à base de noisettes. On est en pleine saison de la noisette. La noisette, c'est entre fin août et début novembre. Donc c'est vraiment le dessert qu'il faut. Même s'il fait encore chaud, qu'on est peut-être encore avec des fruits rouges, des fruits un peu exotiques. Là, on va rentrer dans les fruits d'automne. Donc, Nina, pour ce soir, on va faire un entremets infiniment noisette Piémont. C'est un entremets qui a été inspiré d'un moule de Pierre Hermé que vous avez ici, que je vous montre. Alors, je vous dis bien qu'il a été inspiré parce que je n'ai pas la recette de Pierre Hermé. Donc, j'ai essayé de la reproduire à mon idée. Et vous allez voir donc, voilà, le packaging, c'est le moule Cylindra que vous pouvez retrouver sur notre boutique. Et il aura tout à fait cet aspect-là, mais par contre, ce n'est pas du tout la recette de Pierre Hermé dans la préparation des différentes compositions qu'on pourra mettre dedans. On rappelle que ce moule est aussi disponible en format d'entremets individuel, également sur notre boutique. Donc, c'est des plaques de 12 empreintes et on peut le faire aussi en miniature si on le veut. Mais pour ceux qui sont intéressés par ce moule en version individuelle, je signale que vendredi prochain, vous aurez sur les réseaux sociaux une recette qui sera présentée avec le moule miniature qui sera à base de framboises, de chocolat et de vanille. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui ne veulent pas faire ce dessert à la noisette, attendez vendredi et vous pourrez découvrir une petite vidéo. Donc ce soir, notre entremets infiniment noisette du Piémont est composé d'un biscuit extra moelleux à la noisette qui va être à l'intérieur de notre entremets. Également une pâte sablée à la noisette qu'on a déjà fait à différentes reprises, qui est une des meilleures pâtes que je puisse avoir dans mes recettes parce qu'elle ne bouge pas à la cuisson, en respectant bien sûr des étapes nécessaires de refroidissement, de pause, mais elle est vraiment très bien. On va revenir dessus quand on va la travailler. Également un praliné noisette du Piémont, donc on va faire le praliné. Alors pas entièrement parce qu'il y a un temps de mixage qui est assez long, donc il y aura le bruit du mixeur qui va nous embêter. S'il y a durant tout le live, il y a le bruit du moteur, c'est un petit peu gênant. Mais j'ai préparé un praliné à différentes étapes que vous puissiez vous rendre compte l'évolution au fur et à mesure qu'on le mixe. Mais on va faire la préparation de base, c'est-à-dire caraméliser les noisettes et tout. Également donc une chantilly noisette, ça sera le corps de notre entremets. Un praliné croustillant et un flocage velours de coloris brun qu'on va faire sur le dessus. Et par-dessus, on viendra donc pocher un praliné. Donc il y a deux pralinés. Il y a le praliné qu'on va faire nous, qui va être un praliné un petit peu à l'ancienne avec des morceaux. Il y aura un petit peu de croustillant. Et un praliné qu'on va utiliser, qui est un praliné noisette également du Piémont, mais qui est lisse, qui lui est plutôt vendu à part, en pot, pour faire la mousse, pour faire la chantilly, pour faire toutes les préparations, le biscuit noisette. Parce qu'il nous faut un praliné très lisse, et à la maison, on va avoir du mal à obtenir, avec notre praliné, entre guillemets, à l'ancienne, une finition très lisse. Mmh. Au risque de dégrader notre robot, voire de le tuer carrément, parce qu'il faut que ça tourne pendant très longtemps, il faut que ça tourne vite, la lame soit hyper tranchante. Donc, on va rester sur de l'ancienne pour la finition et l'insert, et du praliné qu'on achète dans le commerce, donc pour faire les autres préparations. Donc, on va commencer tout de suite par notre biscuit noisette. Pour cela, il nous faut donc des œufs, des jaunes d'œufs, de l'œuf entier, du praliné, donc noisette du Piémont, du sucre glace, des blancs d'œufs, un petit peu de sucre, de la fécule de maïs ou de pommes de terre, maïzena. Et également, ici, j'ai mis dans une petite casserole du beurre de cacao. Alors, on peut le mettre soit en poudre, soit en pistole. Les deux peuvent aller. Ici, c'est du micrio, donc la poudre. Mais ça n'a pas d'importance qu'on prenne l'un ou l'autre. C'est pas comme pour le chocolat qu'on tempère. On ne va pas utiliser exclusivement du micrio. On peut prendre l'un ou l'autre. Ça reste du beurre de cacao. Donc, on va commencer par verser les jaunes dans la cuve du batteur. Ce premier mélange, on pourrait le faire au fouet à main. Ça, c'est selon
le matériel que vous avez à la maison. Parce qu'on ne va pas battre longtemps, en fait. Dans l'œuf entier, on va rajouter le praliné dès maintenant. Donc il y a praliné noisette, si vous l'achetez sur la boutique, et praliné noisette piémont. Donc ne vous trompez pas. Bien qu'on puisse faire la recette avec l'un ou l'autre, hein, mais si vous voulez l'appeler entremets infiniment noisette piémont, il faut mettre bien sûr de la noisette du piémont dedans. Et le sucre glace. Pour les personnes justement qui ont accès à des noisettes, vu que c'est de saison, on peut remplacer dans certaines étapes de la recette où on va utiliser des noisettes entières. On peut le faire avec des noisettes de son jardin si on a un noisetier, ouais. Bien sûr, sans aucun problème. Ouais. Après, sauf les noisettes de piémont sont très aromatiques, hein. C'est vrai que c'est la particularité. Par contre, si vous faites avec les noisettes de votre jardin, les noisettes seront fraîches parce qu'elles ont été cueillies. Il n'y a pas longtemps, quoi, en fait. Donc, le fait qu'on achète des noisettes dans le commerce, elles sont déjà sèches parce qu'elles n'ont pas été cueillies hier. Et celles que vous avez à la maison, elles seront fraîches. Donc, vous allez les torréfier un petit peu au four à 150 degrés pendant 10-15 minutes pour enlever ce côté frais. Ça va déjà développer leur arôme et ça va vous permettre de faire la recette normalement en partant comme si vous aviez acheté des noisettes dans le commerce, des noisettes qui ont un petit peu séché. Parfait. Donc, ici, je répète, œuf entier, jaune d'œuf, le praliné noisette du piémont et le sucre glace. Donc, on va mélanger tous ces éléments. Alors, on démarre toujours à vitesse lente quand il y a des poudres pour éviter les projections. Voilà, et je mélange jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé. Le sucre glace a tendance à faire des petits grumeaux, donc on mélange bien. Et on ne va pas mélanger plus que ça. Dès que le sucre est incorporé, j'arrête parce que je ne cherche absolument pas à incorporer de l'air. C'est pour ça que je disais qu'on peut le faire à la main. On fait un mélange, un blanchiment classique. Et donc, il n'était pas nécessaire, par exemple, de tamiser le sucre glace On aurait pu, mais regarde, tu vois, le sucre glace, en trois coups de batteur, il s'est dissous. Hein, donc, voilà. Donc, on obtient ce mélange-là, voilà. Ensuite, on va prendre une seconde cuve. Alors à la maison, si vous n'avez qu'une cuve, vous débarrassez votre premier mélange dans un récipient. Et on va mettre des blancs d'œufs. Alors ces blancs d'œufs, si vous les clarifiez à l'avance, c'est mieux. C'est-à-dire que vous les séparez le blanc du jaune et vous les conservez au frigo 4-5 jours. Vous les laissez maturer. Vous allez obtenir des blancs qui vont beaucoup mieux monter. Sur des blancs d'œufs maturés, vous n'avez pas besoin de rajouter la petite pincée de sel qu'on rajoute souvent quand on monte des blancs en neige. Par contre, si vous utilisez des œufs frais, vous venez de les clarifier, vous rajouterez une pincée de sel. Moi, j'ai des œufs qui sont clarifiés, qui sont en plus à température ambiante. Ils ne sortent pas du frigo. Donc, le fait qu'ils soient à température ambiante, ils vont aussi mieux monter. D'accord. Donc, je vais juste les battre. Et dès qu'ils vont commencer à bien mousser, donc dès qu'on voit plus ce côté un petit peu jaune de l'albumine de l'œuf, on va rajouter le sucre. Non, la quantité de sucre est toute petite, mais on va la rajouter pour serrer les blancs. Pendant ce temps, je fais fondre mon beurre cacao Micrio, qui est dans la casserole, à température douce. Le but, c'est pas d'avoir un beurre fondu, enfin un beurre chaud, il faut un beurre fondu. D'accord. Donc fondu et tiède, on va dire. Très bien. Alors, chef Philippe, nous avons Didier, un fidèle spectateur, qui nous demande, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de pralinés en pourcentage? Oui, bien sûr. Le pourcentage varie en fonction de la matière sèche, c'est-à-dire le fruit sec, et le sucre. Donc, si vous prenez un praliné à 70%, vous aurez 70% de fruits secs et 30% de sucre. Voilà, il y en a 60 à 50, voilà. Et donc là, dans ce cas, pour cette recette, on a pris un praliné noisette, ou est-ce qu'on a pris un praliné noisette amande, par exemple, comme on peut trouver dans le On est sur un entremets noisette, donc on est sur du praliné noisette. Très bien. On pourrait le faire avec un praliné amande noisette. Très bien. On pourrait le faire avec un praliné pistache, on pourrait le faire avec ce qu'on veut. Ce soir, on est sur de la noisette. Très bien. Nina, je vais te demander d'aller me chercher, s'il te plaît, une passoire à la plonge. Oui. Et là, vous voyez, je rajoute le sucre progressivement. Une passoire fine. Et je continue à mélanger. Alors, je n'ai pas serré trop fort mes blancs. Merci.
je vais veiller à ce que mes blancs restent souples, qu'ils forment le bec d'oiseau, le fameux bec d'oiseau dont on parle tous, qui doit faire une pointe qui retombe un petit peu. Ouais, donc c'est une sorte de meringue quelque part qu'on est en train de préparer. Oui, c'est des blancs montés avec du sucre. Là, c'est plus des blancs montés avec du sucre dans une meringue. Quand on parle meringue, c'est le double sucre que de poids de blanc. D'accord. Donc si tu avais 100 grammes de blanc, par exemple, il te faudrait obligatoirement 200 grammes de sucre. D'accord. Donc c'est quand même très sucré une meringue. Là, on est sur des blancs en neige qui sont serrés. Avec 25 oui. grammes de sucre. Donc, tu vois, il y a très très peu de sucre. Très bien. Parce que le sucre, on le retrouve dans le sucre glace que j'ai mis dans le premier, la première cuve, dans le praliné qui est aussi à base de sucre. Donc, si on rajoute beaucoup de sucre dans nos blancs, ben, à force, on va avoir un biscuit trop sucré. Donc, ça, on n'a pas besoin pour l'instant, on va le mettre de côté. Voilà, mes blancs sont montés. Voilà, je vous montre le bec d'oiseau. Hop, vous voyez, le petit bec qui tombe. Alors, il faut qu'il retombe comme ceci, c'est parfait. Là, on est sur des blancs qui sont tout juste montés comme il faut. Et essayez de reproduire ça à la maison. J'ai sorti mon beurre de cacao de la plaque. Il est fondu à peine tiède. Et je vais donc maintenant rajouter une partie des blancs dans ma première cuve, donc on a les œufs, le sucre glace et le praliné. Je commence à mélanger. Alors, peut-on ajouter de la crème à tartre pour les blancs d'œufs ? De la crème de tartre ? Oui. C'est ça ? C'est pas nécessaire. Si vous suivez les indications que je vous ai données, c'est pas nécessaire. Ça va rien vous apporter du tout. Voilà. Là, je rajoute par-dessus ma fécule de maïs ou de pommes de terre. Donc, fécule de maïs, c'est la maïzena, hein, tout le monde connaît. Et fécule de pommes de terre, ben, c'est l'équivalent, mais avec de la pomme de terre et non pas du maïs. Voilà, je tamise tout comme ça, d'un seul coup. Au départ, ne confondez pas la maïzena et le sucre glace quand vous faites le mélange. Très bien. Parce que sinon, vous allez avoir un problème. Voilà, je continue à incorporer délicatement. La texture des deux est très semblable, donc Alors, nous avons Choutoun qui nous demande, elle s'avance un petit peu sur la recette, et elle nous demande si, au lieu d'utiliser ce moule, on peut réaliser la recette avec un cercle à mousse simple. Oui, bien sûr, sans aucun problème. Cependant, je dis cependant parce que pour notre décor, ce moule, il a quand même une bordure. Une bordure qui a sur le dessus. Et cette bordure, elle est nécessaire pour contenir le praliné. Donc, si on est sur un cercle classique, il n'y a pas de bordure. Donc, la petite bordure, je vais vous la montrer rapidement ici. On la voit à l'intérieur du moule. Tout autour, là, il y a une rigole. Je ne sais pas si on le voit bien. On le voit mieux peut-être ici, à l'envers. Et cette rigole, elle nous est nécessaire pour contenir ce praliné qui est vraiment la finition de notre entremets. Donc, on pourrait faire dans un cercle, mais peut-être repenser la finition. Mais c'est dommage de se passer de ce praliné qui est dessus, qui amène beaucoup de choses. Ouais. Donc, je continue à mélanger. Vous voyez, la fécule n'a pas été entièrement incorporée. C'est volontaire. Je rajoute mes blancs et je continue à mélanger. Ainsi, ma fécule restante et mes blancs s'incorporent en même temps. Ça évite de trop mélanger. Si j'avais incorporé entièrement ma fécule, après, je rajoute mes blancs. J'incorpore entièrement mes blancs d'œufs, mais j'aurais mélangé beaucoup plus que si je fais chevaucher les deux incorporations de matière. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, pensez à faire ça, surtout sur des pâtes qui sont très aérées, comme celle-ci. Il ne faut pas qu'elles retombent. Donc, c'est une bonne façon d'incorporer nos ingrédients. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux de blancs d'œufs. Donc ça va s'estomper assez rapidement. On va bien chercher au fond pour avoir aussi une couleur homogène qui ne reste pas du jaune d'œuf avec du sucre et du praliné au fond. Et en dernier, je rajoute donc mon beurre de cacao fondu
qui va apporter beaucoup de moelleux à notre biscuit. Et là, on ne va pas craindre qu'il soit à température un peu plus élevée que le blanc d'œuf, ça ne va pas cuire. Il est tiède. Il ne faut pas le mettre chaud, bien sûr. Mais soit vous le faites fondre à l'avance et vous le laissez refroidir, mais sans le laisser refiger, bien sûr. Soit vous le faites comme j'ai fait là, j'ai mis sur la plaque à puissance 6, ça fond très rapidement. Ou vous le faites fondre au four micro-ondes. Le beurre de cacao est un petit peu long à fondre au four micro-ondes par rapport à du beurre classique. On va comparer ça avec du beurre classique. Mais vous pouvez le faire fondre au four micro-ondes également. Donc ici, j'ai une toile Silicomart de dimension, je vais rappeler ça, qui est un produit qui est récent sur la boutique, de 32,5 cm par 32,5 cm, qui va être la taille parfaite pour ma pâte. On va utiliser ce moule, on pourrait le faire également sur une toile silicone classique, comme la toile meilleure du chef qu'on vend sur le site, sur une plaque 40 par 30. Le tout, c'est de remplir la plaque et de lisser sur une épaisseur très régulière. Inutile de graisser le moule au préalable. Si votre moule est un peu ancien, c'est-à-dire qu'il a beaucoup servi, vous pouvez mettre un léger voile. Je vous recommande ce genre de produit qui est la bombe à graisse, qui est facile à utiliser. Je vais juste m'en servir pour vous montrer. Mais c'est vraiment très pratique. Voilà, vous pulvérisez un petit peu au fond. Alors, quand le spray est tout neuf, ça fait un voile super léger. Au fur et à mesure que la buse est utilisée, elle s'encrasse un petit peu avec le grain. Donc, ça fait un jet un peu plus précis. Donc, quand c'est le cas, on prend un petit papier de tourbant et hop, on termine d'étaler notre matière grasse. C'est pas que la buse est défectueuse, c'est que la buse, ben, s'encrasse, c'est du gras, donc le gras, ben, ça obstrue un petit peu l'orifice de la buse. Et ensuite, je viens verser ma pâte ici, directement. Alors, nous avons Etia qui nous demande est-ce qu'on peut réduire légèrement les quantités de sucre pour ceux qui ne consomment moins de sucre ? Alors, si vous réduisez, vous allez avoir des proportions tronquées. Alors, certes, vous aurez un biscuit, je pense, moins sucré, mais vous aurez sûrement un biscuit qui n'aura pas la bonne texture. Et on est déjà sur un entremets qui est désucré. Alors, il y a des sucrés et des sucrés. Ce n'est pas de l'entremets pour diabétiques, attention. Hein. On désucre, on allège en sucre par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans en pâtisserie. Mais on ne peut pas non plus tout réduire et tout enlever. On ne peut pas le remplacer non plus par des édulcorants ou des produits qui sont moins calorique ou avec un indice glycémique différent. Est-ce que ce type de biscuit, nous demande de Julien, peut s'apparenter à une dacquoise par exemple ? Non, pas du tout. C'est un biscuit extra moelleux. La dacquoise est plutôt un biscuit qui ressemble à du macaron, à de la meringue en fait. C'est une base de meringue. Donc là, on va plutôt être sur un biscuit style génoise, mais encore plus moelleux. Et c'est un biscuit qui pourrait servir pour faire, par exemple, à Noël, une bûche roulée. Et même ce moule, justement, c'est un moule qui se prête énormément à faire des bûches roulées parce que les dimensions sont adéquates et le démoulage est assez facile. Alors, tu vois les proportions qu'on a employées ce soir-là, elles vont parfaitement bien pour ce format-là. Donc, ma plaque en silicone, elle est légèrement plus grande que ma plaque à pâtisserie, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une plaque bien plate. Et ici, elle dépasse très légèrement. Mais c'est pas gênant, ça n'empêche pas de la soulever, de la mettre dans le four et de cuire mon biscuit. Donc, à utiliser pour un biscuit roulé éventuellement. Ce soir, on aura besoin juste d'un disque de biscuit. C'est compliqué de réduire les quantités. Alors, on ne peut pas réduire le sucre parce qu'on va avoir un biscuit différent. Mais si on réduit les quantités, on risque également d'avoir un biscuit différent. Parce qu'on aura moins de matière, dont moins d'incorporation d'air dans les blancs, le mélange va être modifié. Oui, même au niveau de la texture chimique, ça enrôle en fait. Oui, tout à fait. Donc l'excédent du biscuit, bien sûr, vous ne le jetez pas, vous le conservez. Déjà, s'il y a des gourmands autour de vous, ils vont le manger rien que comme ça, à la main, parce que ce n'est pas un biscuit neutre, c'est un biscuit à la noisette. Et en plus, super moelleux, donc c'est super bon. Et sinon, vous le conservez au congélateur, toujours bien emballé. Vous laissez d'abord refroidir,
et vous l'emballez avant de le mettre dans le congélateur et vous le ressortez quand il y en a besoin Et puis on pour pourrait autre chose. même l'envisager, si on a du reste de chantilly aux noisettes, de faire des petits biscuits roulés ou Bien des sûr, bien petites. sûr. Voilà. Alors, Alors. vous ne notez pas, mais c'est vrai que là, ça sent déjà énormément. Ne serait-ce que la pâte, enfin l'appareil cru sent énormément la noisette déjà. Donc, Eh oui, mais oui. oui. Alors la cuisson, on est à 180 degrés entre 12 à 15 minutes. Alors on va commencer par 12 minutes. N'oubliez pas de mettre le timer à la maison parce qu'on a vite fait de passer à autre chose et d'oublier les choses dans le four. Ça prend 3 secondes, mais c'est super important. Même moi je le fais toujours, même si je suis constamment devant ma plaque, devant mon four. Parce qu'on est très très vite perturbé par autre chose et c'est gênant. Alors, vous êtes très nombreux à nous regarder sur YouTube et sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la barre des commentaires. Donc, sur Twitch également, on les voit et on vous répond aussi. Bienvenue à tout le monde. Donc, je Oui. rappelle que c'est la reprise des lives ce soir, toujours avec Nina, Oui. ma collègue et coéquipière, donc pour les lives. Et je suis ravi de faire cette seconde saison avec toi. Oui. Et ce soir, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la recette, on fait un entremets infiniment noisette du Piémont, donc qui est vraiment un entremets de saison par rapport à la saisonnalité des noisettes. On est en plein dedans et voilà, on va faire quelque chose de super bon. Et je peux vous garantir que les retours que j'ai pu avoir, alors c'est les personnes autour de moi qui ont pu goûter l'entremets parce qu'on l'a préparé en amont pour faire des photos, pour tester et pour finir la recette, ils se sont régalés. Alors, mettez ce dessert sur une table du dimanche midi, par exemple, pour impressionner vos amis, invités, convives. Je peux vous garantir que vous allez avoir un succès fou. On va continuer par une pâte sablée noisette. Donc, la pâte sablée noisette, celle qu'on connaît, que j'ai déjà faite à différentes reprises. Pour cela, il nous faut donc du beurre, du sucre glace. Le beurre est à température ambiante, donc un beurre mou. Également donc de la levure chimique. Ça c'est après de la poudre de noisette, donc noisette brute. Alors, la noisette brute, vous voyez, elle a les petits points noirs, c'est la pellicule, les petits points marrons plutôt, c'est la pellicule de la noisette qui, avant d'être broyée, on n'a pas retiré cette pellicule de façon à garder. Ça va apporter un peu plus d'authenticité que si on avait des noisettes émondées qui étaient blanches à la base. Également donc du sel fin, de la farine bien sûr, type 55, c'est la farine ordinaire, hein. Quand on ne précise pas, c'est toujours type 55, enfin du moins chez moi. Je vous le précise là pour que vous ne posiez pas la question. La type 45, c'est plus pour les brioches et tout ça. Et le micrio là que j'ai retiré, que je vous remontre. Ça, on s'en servira plus pour la cuisson. Lorsqu'on va sortir notre biscuit du four, ça c'est une fois qu'il sera cuit, on va l'imperméabiliser un petit peu avec le micrio, donc qui est en poudre, en le saupoudrant légèrement sur le biscuit chaud. Voilà, c'est pas miraculeux, mais Oui, ça aide. ça aide un petit peu. Nous avions une question. Nous avons une question concernant le biscuit. Je pense celui qu'on vient de mettre Oui. Donc au four. Est-ce qu'on peut rajouter des éclats de noisettes torréfiées sur le Oui, biscuit? bien sûr. On peut, là je ne le fais pas parce que je vais les rajouter après sur le praliné. Mais on pourrait bien sûr penser à les torréfier un petit peu, voire même ils vont se torréfier tout seuls dans le four, avec la cuisson du four, à la cuisson du biscuit. Mais pensez à les couper, ne les mettez pas entiers. Enfin entières. Parce que si vous mettez les noisettes entières, après quand vous allez couper votre gâteau, une fois qu'il sera fini, la lame va tomber sur une noisette entière. Et ça va faire comme un caillou, en fait, un bloc. Et il vaut mieux que les noisettes soient partiellement hachées, de façon à ce qu'on puisse passer au travers de ces noisettes et ne pas abîmer le gâteau lors de la découpe. Parce que ça, c'est des petits détails auxquels on ne pense pas, mais vu que la noisette est solide, ben, Ouais. c'est important. Donc, pour notre pâte sablée, on va mettre le beurre, tout d'abord, dans la cuve. Le sucre glace. En fait, on va mettre toutes les matières sèches, sauf la farine et sauf la levure chimique. La noisette en poudre brute, le sel fin. Et là, on va donc mélanger à vitesse lente pour éviter les projections.
Je le dis parce qu'on a fait une réflexion hier, sur une recette. T'as pas mis qu'il fallait démarrer le batteur à vitesse lente. Et alors la personne qui a fait la recette, elle a mis la vitesse maximum, alors qu'il y avait des poudres. Et en fait, ça a projeté un peu partout. Après, c'est un peu de bon sens. Après, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, même quand on va monter des crèmes pour les foisonner ou des blancs neige, on a toujours tendance à se dire qu'il faut quand mettre... Quand on fait une crème fouettée ou une crème chantilly, si on met le batteur trop fort au départ, la crème est projetée. Mmh. Et projetée sur soi-même déjà, autour sur le plan de travail. Donc on démarre lentement et quand la crème commence à prendre un peu de corps, là on peut accélérer. Donc là, tant qu'il y a des poudres, on reste à vitesse lente. Donc tu vois, l'ensemble s'est bien amalgamé. Maintenant, j'aurais pu accélérer. Très bien. Bon, avant d'accélérer, je vais rajouter donc mes jaunes d'œufs. Donc il faut toujours bien peser. On m'a fait une autre remarque. C'est des remarques intéressantes parce que pour moi, c'est tellement évident que à force de faire toujours de la même façon. Pourquoi j'ai marqué dans une recette, c'était 65 grammes d'œufs. Non, 75 grammes d'œufs. Un œuf moyen fait 50 grammes, on va dire. Donc 75 grammes d'œufs, ça fait un œuf et demi. Donc c'est compliqué de peser un œuf et demi, en cassant l'œuf directement dans la préparation. Donc je dis à la personne, mais tu casses deux œufs dans un petit récipient, de ce type-là. Tu les bats en omelette, de façon à enlever ce côté un petit peu gélifié du blanc d'œuf, d'obtenir quelque chose de plus liquide, et après tu utilises une balance. Alors c'est tout bête, mais quand il y a un poids d'œuf, pesez à la maison vos recettes, enfin vos ingrédients, et ne dites pas, oh c'est bon, il faut 75 grammes d'œufs, j'en mets, allez, là il y a 50, allez, j'en mets deux. Non, vous allez avoir trop d'humidité dans votre pâte, dans votre préparation, et vous aurez au final quelque chose qui n'aura pas la texture ou le résultat voulu. Donc, attention. Donc là, je continue à mélanger. Bon, c'est une recette qui ne cherche pas à avoir une vitesse rapide, donc je vais rester à vitesse lente. Et une fois que l'œuf est à peu près mélangé, parce qu'il va avoir du mal à se mélanger, on est dans de la matière grasse, vu qu'à la base, il y a beaucoup de beurre, on va rajouter donc la farine et la levure. La levure se rajoute toujours au même moment que la farine. C'est pour une meilleure dispersion en fait dans la pâte. Et on va terminer le mélange et là tout va s'amalgamer parfaitement bien. Alors ce soir pour cette recette, on a pas mal de monde qui nous regarde. On a une Italienne, on a Marie Maria, donc prego. Merci de nous suivre. On a aussi du monde du Béarn. On a Jocelyne, notre grande habituée, qui est fidèle. On a du monde aussi au Québec, à Montréal. Donc ça, c'est merci de nous suivre. Si jamais on fait la livraison là-bas, on vous fera un petit coucou pour vous le notifier. Et on a une autre question de Annie qui nous demande, est-ce qu'on peut faire le biscuit la veille et le conserver? Oui, bien sûr. Il va se conserver très bien. Ne le mettez pas au frais. Vous allez le faire cuire, le démouler à chaud et vous allez le filmer à chaud. C'est-à-dire garder toute la vapeur et la chaleur du biscuit. Ça va lui garder tout son moelleux. D'accord. Donc vous le filmez de façon quand même hermétique. Donc s'il est sur une grille, non, vous le replacez sur une plaque et vous filmez. Alors toute la vapeur va se mettre sur le papier film qui va protéger le biscuit. Mais là, vous allez garder du moelleux. Si vous laissez refroidir à température ambiante sans protection, c'est ce qu'on va faire ce soir parce qu'on va s'en servir, je vérifie, voilà, il est bientôt cuit, on va s'en servir ce soir pour faire l'entremets. Là, vous le laissez bien sûr à température ambiante. Ou si vous le faites le matin pour le soir, vous pouvez également le filmer de façon à ce que cette condensation, cette vapeur reste dans le biscuit et ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de moelleux. Donc le mélange est terminé ici. Je rappelle, c'est ma pâte sablée fétiche, dans le sens où c'est une pâte qui se déforme peu à la cuisson, si on respecte quelques consignes que je vais évoquer maintenant. Alors, déjà, elle a du goût parce qu'il y a de l'amande, de la noisette. La noisette, oui. On pourrait y mettre de l'amande, on pourrait y mettre un fruit sec quelconque, ça serait pareil. Cette pâte vient d'être faite. Donc imaginons que je veux faire une tarte avec une base donc en pâte sablée noisette ou amande ou mélange des deux, ou on peut vraiment faire différentes variantes, ça c'est vous qui voyez, c'est selon votre goût. Je vais commencer par la conserver au frais. Alors soit en boule, c'est une solution, soit
avec en l'étalant au préalable. Alors ce qu'on peut faire, je vais vous le montrer ce soir, on va l'étaler au préalable. Alors ça va être bien, on va montrer les deux méthodes, parce qu'au frigo j'ai une boule que je vais étaler devant vous, qui a déjà bien pris le froid. Et là, je vais le faire comme si je le faisais en direct, c'est-à-dire déjà étalé entre deux papiers. Alors, c'est vrai que c'est très, très important. Ne soyez pas mauvais élève comme moi qui ai testé en l'enfournant directement. Ah, mais non, Nina. Du coup, ça s'affaisse. Donc, voilà. On va prendre une partie de la pâte. Et ça, c'est une pâte qui se conserve très bien aussi. Donc, vous la mettez au congélateur, bien filmée, bien protégée. Et vous la sortez quelques heures au préalable de vous en servir. Et elle est vraiment comme si elle venait d'être faite, c'est nickel. Je vais prendre deux petites règles de 3 mm d'épaisseur. Donc soit vous les trouvez sur la boutique, soit vous faites avec des baguettes en bois que vous achetez au magasin de bricolage du coin. Ça sera pareil. Et vous pouvez faire différentes règles avec différentes hauteurs. Comme ça, vous avez tout un panel de règles. Et ça vous sert pour la pâtisserie. Et là, je vais l'étaler. Tant que ma pâte est encore très, très malléable, ça vous facilite la tâche parce que quand la pâte aura refroidi, avec le beurre qu'elle a dedans, elle va se figer. Et après, au début, ben, c'est toujours un peu dur à étaler. Donc, je l'étale dès maintenant. Voilà, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un cercle. Un cercle qui va faire 20 cm. Donc, il faut que ce soit suffisamment grand pour couvrir le cercle. Mais à l'épaisseur des réglettes. Donc si on a trop de pâte, on étale encore plus. Tu vois, j'étale, mon rouleau appuie sur les réglettes et j'ai encore un gros bourrelet qui se forme. Donc ça veut dire que ma pâte est trop épaisse. Voilà. Et s'il n'y a plus de place dans un sens, je tourne ma feuille et j'étale dans l'autre sens pour que l'excédent de pâte en fait s'étale de façon équitable, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai assez. Ça, c'est une solution. La seconde solution, tu vas aller me chercher le petit morceau de pâte que j'ai dans le frigo, avec un peu de farine, s'il te plaît, au retour. Tu vas me prendre au passage. Alors, le biscuit vient de sonner. Donc 12 minutes, vous voyez, je vous disais entre 12 et 15 minutes de cuisson. En fait, 12 minutes, c'est suffisant. Ça dépend vraiment des fours. Alors là, je vais avoir un problème parce que je vais étaler une pâte. Et si je réchauffe mon plan de travail, on va revenir sur le biscuit dans un instant. On va laisser de côté. Que mon plan de travail reste bien froid. Merci pour la farine. Donc ici, j'ai de la pâte sablée noisette en quantité suffisante pour faire mon cercle. Et voilà, si la pâte a reposé donc au frigo, ben elle est ferme. Donc, je la sors de mon papier film. Et je vais donc l'étaler au rouleau avec un peu de farine. Alors d'abord, je vais la ramollir un petit peu, sinon elle va s'effriter très facilement sur les bords. Donc, je n'hésite pas à la repétrir légèrement. Voilà, qu'elle soit malléable. Il ne faut pas qu'on retombe sur une pâte toute collante, attention. Bien sûr. Voilà. Et là, je l'étale normalement. Alors, j'ai mon cercle à proximité pour contrôler. Voilà, il faut que la pâte ne colle à aucun moment sur le plan de travail. Donc, s'il n'y a pas assez de farine, on va chercher la farine qu'il y a sur le plan de travail, tout l'excédent. On n'en rajoute pas. Moins on en rajoute, mieux c'est. Et surtout, on vérifie donc très régulièrement que ça ne colle pas. Voilà. Donc là, vous l'avez faite à base de pistache. On rappelle que vous pouvez de noisette, pardon. Mais vous pouvez aussi la faire selon l'entremier avec un autre fruit sec, des pistaches, des amandes, ce qui vous plaira. Voilà. Selon l'entremet que vous faites, on pourrait faire cet entremet avec une finition pistache, donc une chantilly pistache, totalement différent par rapport aux fruits secs qu'on utilise à la base. Et là, bien sûr, on mettrait de la pistache dans la pâte.
Donc, ma pâte est prête ici. Je vérifie avec mon cercle. Je suis bon en taille. Donc, je vais juste transférer ma pâte sur une plaque. Donc, pour la transférer sans l'abîmer, je la roule sur un rouleau. Je prends une plaque. D'abord, je prends le tapis seul. Je vais dérouler ma pâte sur ce tapis. Voilà, je la remets bien à plat. Je découpe mon cercle. Je me sers du cercle comme un emporte-pièce. J'enlève l'excédent de pâte. Et là, ma pâte, avant de la mettre en cuisson, je la laisse refroidir. Surtout, ce n'est pas maintenant que je vais la mettre à cuire. Je vais la laisser refroidir au moins une heure au frais. Si vous le faites la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. Vous pouvez même la mettre à congeler et vous l'enfournerez congelée dans le four chaud à 170 degrés pour que la cuisson soit lente et progressive. Et vous aurez vraiment un super résultat. Respectez bien ces temps de pause au frais, c'est important, pour éviter que la pâte se rétracte, que les bords retombent. Bon, là, je fais juste un disque. À la maison, vous pouvez foncer un cercle ou moule à tarte en faisant la technique que vous voulez de fonçage. Mais appliquez-vous et vous aurez un fond de tarte qui sera super net, propre et précis. Et on peut mettre le fond de tarte déjà foncé au congélateur aussi et au frigo aussi. On peut en avoir plusieurs à l'avance quand on conserve. Et oui, tout à fait. Donc, ce fond de pâte, on le met dans le frigo. Et tu en as un qui est prêt dans le frigo, qui est bien froid, que tu vas me ramener. Je vous ramène celui-ci aussi, oui. Chef Philippe. S'il te plaît. Hop. Voilà, pendant ce temps, je vais faire un petit coup de ménage. On va mettre donc notre pâte salée à cuire. Et on va regarder notre biscuit à la noisette. Le biscuit moelleux qui est sorti du four il y a 3 minutes. Donc vous avez vu, pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. C'est à la portée de tout le monde à la maison. Donc voilà, mon disque de biscuit est là. Donc il est bien refroidi, hein. il est ferme. Je l'ai posé sur un tapis, on appelle ça un tapis silpin. C'est un tapis qui est ajouré. Je vais vous montrer ici, vous voyez, on voit à travers. C'est pas comme le silpat ou la toile silicone qu'on vend, qui, elle, est pleine. Et je vais enfermer mon biscuit entre deux toiles, tout simplement, comme ça, avant d'enfourner. Et là, je vais le mettre donc à cuire à 170 degrés, bien froid ou congelé, les deux pourraient aller, à 170 degrés, donc pendant 12 minutes. Alors, la particularité de ce tapis, c'est qu'on va avoir le petit dessin du tapis, qui va rester imprimé sur la pâte. Et c'est comme ça, comme on peut voir sur beaucoup de recettes sur les réseaux sociaux, qu'on voit souvent un dessus un peu quadrillé. C'est ça. Voilà. Alors, ce n'est pas indispensable, mais c'est joli. C'est joli. Donc, notre biscuit, on revient dessus. Maintenant, notre plan de travail est libre. Donc, pour la cuisson, alors ça, vous le faites à la sortie du four, vous pouvez tâter légèrement avec les doigts. Et lorsque l'empreinte du doigt disparaît. Si l'empreinte reste, c'est que le biscuit n'est pas cuit. Et si l'empreinte disparaît, c'est qu'il est cuit. Donc maintenant, on va juste le démouler. Bon, j'ai un papier un peu petit, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Donc je pose un papier sulfurisé ou une toile silicone. J'attrape bien le haut et je retourne tout d'un coup. Il faut y aller vite. Sinon, le biscuit, quand il va être à la verticale, quand tu vas le relever, il peut se casser en deux et tomber. Et là, c'est la catastrophe. Et ici, je décolle d'abord les angles pour m'assurer. Et ça se décolle parfaitement, quoi. Oui, oui. Pour m'assurer que ne pas casser les angles. Et après, je retire donc ma toile. Et là, j'ai mon biscuit qui va être fabuleux, super moelleux. Si vous voulez le conserver pour plus tard, une plaque, on filme. La chaleur reste dans le biscuit. D'accord ? Est-ce que c'est un biscuit qu'on peut pencher pour d'autres entremets, par exemple ? Oui, oui. C'est un biscuit qu'on peut imbiber avec un sirop aromatisé à ce qu'on veut, au grand marnier, au rhum, aux épices.
Oui, sans problème. Alors, Capucine nous demande, et d'ailleurs Julien aussi, si on n'a pas de plaque sylvain, enfin de toile hein, du coup, sylvain je présume, est-ce qu'on peut mettre deux feuilles de papier cuisson ou deux feuilles sulfurisées? Oui, on fait sur papier cuisson. Très bien. On aura, ça devrait se décoller très facilement aussi. Là, je montre vraiment le côté pratique du produit aussi, hein, que les toiles silicone, ça fonctionne bien. Et là, on a pu le voir. Mais à la maison, si vous n'avez que du papier sulfurisé ou papier cuisson, c'est la même chose. Utilisez bien sûr ce produit-là. Alors, on va découper tout de suite un disque de diamètre 16 qui nous servira pour l'insert de cet entremets. Donc, quand on prend un morceau de biscuit dans un biscuit plus grand, on ne va pas venir faire flamme au milieu parce qu'on bousille en fait tout le restant de biscuit. Donc on va être un petit peu économe. On va faire bien dans l'angle. Je me sers donc de mon disque comme d'un emporte-pièce pour le découper. Et là, regardez, on a quelque chose d'extra moelleux, de très régulier en épaisseur et qui va être donc parfait pour notre entremets. Et on va le laisser donc de côté ici à refroidir entièrement. Il était encore un petit peu tiède. Et ça, on va le mettre de côté. Donc ça, vous l'avez compris, hein, vous le mettez au congélateur, les gourmands, ils mangent les chutes. Oui. Puis même, alors pour les mamans qui sont un peu dans le jus pour préparer les goûters, si vous avez une pâte à tartiner de bonne qualité, donc pas celle de la grande marque avec plein de produits pas bons, mais avec un peu de pâte à tartiner, vous pouvez faire des petits roulés pour le goûter. Si vous voulez pousser la chose, vous pouvez les enrober avec un peu de chocolat et ça fait un super goûter pour les petits. Je pense que chaque maman a sa petite préférence pour tel ou tel produit selon ce que les enfants aiment. Et ça marche aussi avec la confiture d'ailleurs. Bien sûr, ça marche avec tout. Ouais. Voilà, donc le biscuit noisette, il est fait. La pâte sablée, elle est faite, elle cuit. Maintenant, on va passer au praliné. Alors le praliné, grande étape, recette qui n'est pas si compliquée que ça. Donc on va commencer tout de suite. Tu viens de passer, s'il te plaît, la casserole et noisette. Dans la casserole, il y a de l'eau. Il y a un fond d'eau. Quand je fais une petite quantité, juste pour vous montrer la technique, il y a très peu de quantité de noisettes et de sucre. Donc il y a un tout petit fond d'eau et je rajoute le sucre. Voilà, le sucre s'humidifie. J'utilise une spatule exoglace ici, mais pas une Maryse. La Maryse est trop souple avec le bois en caoutchouc. Donc prenez une spatule soit en bois, soit exoglace comme j'ai ici. Et on va d'abord faire une cuisson de sucre jusqu'à 118 degrés. Alors pour contrôler la cuisson, thermomètre, on ne fait pas un caramel, on fait juste un sucre cuit à 118 degrés. Donc on peut touiller, ça ne va pas stopper là. Oui, j'entends souvent, il ne faut pas mélanger un sucre qui est en train de cuire, sinon il va masser, sinon... Si la casserole est propre, si tout est propre, ça se passe très bien. Voilà, donc moi je ne vais pas utiliser thermomètre parce que j'ai l'habitude et je le fais à l'œil. Mais à la maison, c'est 118 degrés. Un petit peu comme un sucre cuit pour faire une meringue italienne. On le monte jusqu'à 118 et ensuite on le verse sur les blancs. Là, je vais monter mon sucre jusqu'à 118. Je vais rajouter un poil d'eau parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui que je pense que la petite quantité d'eau que j'avais mise dans la casserole s'est un peu évaporée parce que j'ai préparé ces proportions ce matin. Donc... ça ne change en rien le résultat. Le fait d'enregistrer de l'eau, c'est juste que la cuisson de mon sucre va être un peu plus longue pour atteindre les 118 degrés. D'accord. Les 118 degrés, en fait, ils correspondent à une certaine concentration du sucre par rapport au poids d'eau et à un certain niveau de cuisson. Donc j'aurais pu mettre 10 litres d'eau et 100 g de sucre. J'obtiendrais le même résultat, mais la cuisson sera beaucoup, beaucoup plus longue que ces 10 litres d'eau s'évaporent pour obtenir une cuisson de sucre. Je suis clair, Nina, tu oui. me dis. Hein. Si toi tu ne comprends pas, ils ne comprennent pas à la maison. Donc voilà, donc je cuis mon sucre jusqu'à environ 118. Donc moi, je reconnais, grâce à l'ébullition, à la vitesse à laquelle se forment les bulles, à peu près. Et là, je vais rajouter mes noisettes. Mes noisettes que l'on peut torréfier au préalable. Et je vais mélanger sans arrêt jusqu'à ce que
toutes les noisettes soient totalement enveloppées de sucre, de ce sirop de sucre. Et je mélange sans arrêt. Petit à petit, ce sucre va masser, c'est-à-dire qu'il était à l'état liquide, là, sous forme de sirop, il va redevenir à l'état solide. C'est ce qu'il est en train de se passer. Et là, le sucre est redevenu donc solide, et vous le voyez bien autour des noisettes. Je vous montre vite en gros plan. Clément, s'il te plaît, voilà. Et on va continuer dans cette cuisson, de façon à ce que ce sucre qui a massé autour de chaque noisette se reliquéfie et se transforme cette fois en caramel. Alors ça, c'est la recette traditionnelle de... Ici, on appelle ça la praline à jojo. Alors, il y a d'autres appellations selon les régions. Et c'est en fait le fruit sec qu'on enrobe de caramel. Souvent, c'est dans des gros chaudrons qui tournent, qui sont électrifiés, donc qui tournent tout seuls, avec une résistance dessous, et de façon à ce que les noisettes, ou du moins le fruit sec, soient constamment en mouvement durant cette phase de caramélisation. Donc moi, je sers de monteur avec ma main, je mélange sans arrêt, et on se met sur un feu pas trop doux, pas trop fort, un entre-deux, de façon à ce qu'il y ait une cuisson qui se fasse. J'en ai fait, c'était hier, en prévision de ce live. Et c'est toi qui m'as dit dans le couloir, c'est quoi cette bonne odeur oui. Tu nous donnes faim. Je suis très mauvaise élève. Je venais pour de faire, je venais de faire le praliné. Alors j'en ai fait une quantité plus importante parce que j'aime bien en avoir également pour d'autres recettes et que j'ai mixé ici avec un robot coupe, donc qui est un robot professionnel qui est beaucoup plus puissant. Mais à la maison, vous pourrez le faire avec un petit robot ménager, à la condition de rester jusqu'à la finition à l'ancienne, c'est-à-dire avec des morceaux fins, mais des morceaux. Sinon, votre robot ménager risque d'en subir les conséquences. Et à moins que vous vouliez renouveler votre appareil électroménager, c'est vous qui voyez. Alors là, on voit que ça commence à changer de couleur déjà. Donc là, tu vois, le sucre blanc qui enveloppait les fruits secs disparaît. Et il redevient liquide en fait, et en sirop donc, et ce sirop progressivement il caramélise. Alors pour torréfier, à combien au four à chaleur tournante? 150, 10-15 minutes. Pour des noisettes du jardin aussi hein. Oui. Voilà, je continue à mélanger. Alors je vais chercher à avoir une coloration assez blonde. Bon, pas trop foncé non plus. Sinon, on va avoir de l'amertume peut-être en bouche. Oui, beaucoup d'amertume qui va se développer. Je cherche surtout à ce qu'il n'y ait plus de sucre blanc dans le sucre massé. Donc là, c'est le cas, tu vois, on n'en voit plus du tout. Mais là, je poursuis un peu la cuisson. Déjà, je cuis les noisettes, je les torréfie également de cette façon-là. Et je pousse la cuisson du caramel un petit peu. Alors là, ce n'est pas le moment d'aller répondre au téléphone. Vous mélangez sans arrêt. Alors c'est vrai que ça sent très 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 bon. Ça fume un petit peu, ouais. C'est normal. Mais on s'inquiète pas. Voilà, une fois que c'est fini, on prend un papier, parce que ça continue à cuire même si c'est plus sur la plaque, et on débarrasse. On débarrasse vite sur un papier cuisson et on étale pour éviter d'avoir un bloc une fois que ça sera refroidi. Voilà. Donc là, vous avez la base de votre praliné. Des noisettes caramélisées. On n'y touche pas avec les doigts, sinon brûlure garantie. C'est trop tôt. Donc on va laisser ça de côté. Quand ça sera refroidi, complètement refroidi, après, on pourra le mixer donc, avec un petit mixeur de ce type-là que vous devez avoir à la maison, peu importe la marque. Et vous allez donc obtenir ces différentes étapes. Donc je vous expliquais, on ne va pas le faire ce soir pour éviter le bruit de moteur. Ça va durer un quart d'heure et ça va être pénible. Ces différentes étapes. Donc tout d'abord, vous allez commencer par broyer donc, votre praliné, enfin vos noisettes, et vous allez obtenir quelque chose de grossier comme ceci. Petit à petit, ça va se transformer en quelque chose de plus fin. Ça va former une pâte, mais une pâte assez ferme, que ça va faire des blocs comme ceci. Progressivement, ça s'affine. La couleur fonce légèrement, je ne sais pas si on se rend compte bien à la caméra, mais on obtient une pâte de plus en plus
fine et qui va commencer à se ramollir et à s'humidifier. S'humidifier non pas avec de l'eau, mais avec le gras de la noisette qui va ressortir et qui, en fait, va nous donner une pâte, au final, qui va être liquide. Cette pâte, elle s'obtient après avoir mixé longuement parce que l'huile de la noisette ressort. Et en fait, ça nous donne de la texture, une texture souple. Alors, je regarde rapidement. On va laisser 2 minutes de plus, même pas 1 minute de plus. Donc, ça aura fait 13 minutes en tout de cuisson. Voilà, donc, pour récapituler, je reviens ici. On a tous les pralinés aux différentes étapes. Donc, première étape, deuxième étape, troisième et au final, quatrième. Et si on le regarde près, celui-ci, on voit des petits points dedans. C'est le côté donc à l'ancienne. C'est des tout petits morceaux de sucre et de noisettes qu'on va retrouver à la dégustation sous la dent et qui vont être très, très sympathiques à déguster. Comparé à un praliné noisette qui sera la même chose, mais qui aura été beaucoup plus mixé et qui, lui, est parfaitement lisse. Voilà. Voilà, j'espère que les explications sont claires. Donc, vous le faites quand vos noisettes sont entièrement froides. Ça, vous les laissez refroidir. Et après, on mixe. Alors là, du coup, par rapport à notre recette, on a réalisé le biscuit à la noisette, la pâte sablée noisette qui finit de cuire à l'instant et le praliné. C'est ça, tu as bien suivi. Alors, ne partez pas de suite parce qu'il nous reste encore quelques étapes. Ah ben, c'est pas fini. Ah oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, donc on vous garde un petit peu donc, ce soir. Là, on a le biscuit qui est cuit. On ne soulève pas la toile. Si on soulève, on arrache tout. On laisse refroidir. Ah, c'est bien de le préciser. Non, mais c'est vrai, parce qu'on aurait le réflexe comme c'est comme on laisse refroidir les noisettes. Ouais. On laisse refroidir le biscuit. Et lorsqu'il sera froid, on retirera donc délicatement la toile du dessus et la toile du dessous, et on aura notre biscuit qui sera parfait. Donc ça, pour l'instant, on laisse de côté, on revient dessus quand il faudra. Donc je vais juste le poser ici, alors, à l'écart. Est-ce que pour le Paris-Brest, ce serait la même préparation pour la pâte noisette? Alors, est-ce que, Fabienne, est-ce que c'est pour la réalisation du praliné Le Paris-Brest, c'est une pâte à choux. Oui, mais je pense qu'elle parle de la crème à base de praliné, oui. Ah, pour aromatiser la crème avec du praliné, on peut faire avec un praliné soit acheté tout fait lisse, soit à l'ancienne, comme on vient de faire. Ça, oui. Bon, si jamais, Fabienne, n'hésitez pas à nous remettre un commentaire et et on vous répond. Si c'est la pâte sablée dont tu parles pour faire le Paris-Brest, on se trompe de recette. Oui. Alors. Voilà. Donc, la chantilly noisette. Tu vas me passer tous les ingrédients qui sont là, s'il te plaît. Oui. Alors, Gaspard nous demande, donc, ces différentes étapes du pralin de solide à liquide sont déterminées par le temps dans le mixeur. La vitesse et la chaleur influent-elles sur le développement du praliné? Alors, à force de mixer, il y a le praliné qui va monter en chaleur aussi. J'ai contrôlé la température hier quand j'ai fait dans mon gros robot qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui est un robot coupe. Je vais vous montrer d'ailleurs l'intérieur de la cuve. J'ai mesuré la température durant la phase de mixage. Voilà, je vous montre rapidement à l'intérieur, hein, c'est la même chose. Et on était à 65 degrés. Donc le fait que le praliné soit mixé, il chauffe. C'est comme une pâte à brioche, à force de la pétrir, elle chauffe. Et si elle chauffe trop, elle va recracher le beurre. Là, à force d'être mixé, ça chauffe. Et en chauffant, ça extrait la matière grasse du fruit sec. Et c'est pour ça que ça redevient liquide et qu'on obtient cette pâte fluide. À savoir, chose que je n'ai pas dite, quand vous êtes à ce stade-là, à peu près, vous allez avoir cette préparation qui va avoir tendance à coller sur les parois de votre cuve. Donc il faut arrêter régulièrement, décoller avec une spatule, de façon à ce que le mixage se fasse de façon homogène durant toute,
tout le processus de réalisation de ce praliné. Donc voilà, j'ai tous les ingrédients. Ça, on va le laisser de côté pour l'instant. On va s'en servir assez rapidement. Bien que ce soit une recette à faire, de préférence la veille, la chantilly, on va d'abord terminer l'insert. Très bien. Est-ce qu'on pourrait réaliser ce praliné avec un Vitamix ? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que c'est un cousin du Thermomix. Un mixeur de ce type-là. Il me semble, alors je vais vérifier, mais il me semble que c'est un des mixeurs qu'on vend sur le site qui est un petit blender, je crois. À vérifier. Ah, d'accord. Avec une cuve et tu mets comme un Bamix dessus qui. Je pense que c'est un peu comme un blender. C'est celui-là, comme un blender à smoothie, à choses comme ça. Ah, d'accord, c'est un blender, oui. Oui. Oui, on pourrait le faire, mais on aura du mal au départ quand la matière est encore poudreuse et sèche. Ça va se coller, donc il va falloir corner avec une marise assez rapidement. Mais sinon, après, quand la préparation commence à devenir plus souple et que tout redescend au niveau de l'hélice, il n'y a aucun souci, ça va mixer. Et c'est une hélice, les blenders sont puissants, ça tourne vite, oui. Donc ça devrait obtenir un bon résultat. Voilà, donc pour notre insert, on va prendre donc le cercle de 16. Qui nous a servi à découper notre biscuit. On va prendre une plaque à pâtisserie, peu importe la plaque, un papier. On va positionner notre cercle sur le papier et on va l'habiller avec un ruban PVC. Alors ça, c'est facultatif, mais c'est le côté pratique du démoulage. Je vais juste prendre la circonférence donc de mon cercle, donc le tour du cercle plus 1 ou 2 cm, voilà, que les deux morceaux de ruban se chevauchent, et je le positionne à l'intérieur. Voilà, ça, pensez-y, si vous avez ce ruban à la maison, vous pouvez le faire avec du papier pour emballer les fleurs par exemple, papier transparent, ça fonctionnera pareil. Si vous n'avez pas de ruban PVC et que vous ne voulez pas en acheter, c'est une idée. Vous pouvez, avec le papier film, vous aurez du mal parce que le papier film a tendance à adhérer. Donc il va adhérer au cercle. Et le but, c'est de pouvoir démouler facilement. Donc le démoulage ne sera pas facile. Voilà. Si vous le faites directement dans le cercle, vous pouvez mettre un papier sulfurisé éventuellement. Vous découpez une bande et vous faites l'intérieur. Très bien. Donc on va prendre notre biscuit qu'on va venir déposer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire notre praliné croustillant. Alors, pour cela, il me faut du praliné. C'était celui qui était sur la plaque de présentation tout à l'heure que je vous ai montré. Tu vas me chercher un récipient, s'il te plaît. Nina. Un cul de poule, chef. Oui, un cul de poule ou un petit saladier. Et on va mélanger donc notre praliné, celui qu'on a fait maison, bien sûr, dans celui qui est à l'ancienne, avec du pailleté feuilletine. Le pailleté feuilletine, c'est de la... Merci. C'est de la crêpe dentelle. On appelle ça, c'est un produit breton, on appelle ça la gavotte, qui est souvent servie avec des glaces au restaurant. Et c'est la crêpe dentelle brisée, tout simplement. Donc on mélange notre crêpe dentelle, qui va apporter beaucoup de croustillant à notre insert, avec notre praliné qu'on a fait maison. La crêpe dentelle va garder ce croustillant parce que dans le praliné, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a l'eau du caramel, mais elle s'est évaporée, cette eau. Donc il n'y aura pas d'hydratation, de ramollissement de la crêpe dentelle. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on mélange la quantité de praliné indiquée sur la recette avec la quantité de pailleté, de crêpe dentelle qu'il faut. Je mélange bien, comme ceci. Voilà, je prends le temps de bien mélanger, de bien envelopper toute la crêpe dentelle de praliné. Alors là, on va avoir le croustillant de la crêpe dentelle, on va avoir le croustillant du praliné, le bon goût de la noisette. Et tu vois, pour... Alors, il y a du sucre, hein. Pour désucrer ça, c'est pas possible, c'est compliqué. Par rapport à la question tout à l'heure de comment désucrer... Bon, on parlait du biscuit tout à l'heure, hein, mais c'est compliqué. Et on met cette masse, donc, ici, sur le biscuit, directement au contact. Avec une petite palette, je vais venir l'étaler sur une épaisseur
vraiment régulière. Donc c'est assez épais, on ne ouais, peut pas craindre d'abîmer le biscuit il résiste. Hein. Je n'appuie pas comme un fou non plus, hein. je l'étale, je prends le temps qu'il faut. Je suis pas en train de... Alors du coup c'est un peu plus épais que les pralinés feuilletines qu'on peut trouver déjà, enfin les croustillants feuilletines qu'on peut trouver un peu après à l'emploi. Oui mais souvent ces croustillants ils contiennent du chocolat et en fait une fois que c'est froid on a quelque chose c'est comme ça. Donc il faut là, pas se surprendre. Là il n'y a pas de chocolat, ça va rester souple. D'accord. Même à la sortie du frigo on va pouvoir le trancher sans devoir forcer comme trop fort pour avec la lame du couteau et en fait abîmer la part de gâteau. Donc là, on est vraiment que sur de la crème dentelle et du praliné. Souvent, quand on fait des couches à base de croustillants comme ceci, à base de praliné et de crème dentelle, on rajoute du chocolat. Ce chocolat, ben, il solidifie le tout. Là, c'est pas le cas. Il ne faut pas avoir une couche trop épaisse parce que sinon, on la découpe, on casse. Et cette couche, on la met toujours au fond du gâteau, sur un biscuit. Pas en plein milieu, sinon, à la découpe, c'est une catastrophe. Donc, je lisse bien. Et ça s'étale bien, hein. C'est juste pour avoir une épaisseur régulière. Et ici, j'ai des petites noisettes qui sont ici, que je vais venir donc couper avec un petit couteau, au moins en deux, et que je vais venir piquer dans le praliné. Alors je prends le temps de bien les faire rentrer dans le praliné, qu'elles adhèrent quand même. Voilà, je suis généreux. Tout à l'heure, je vous disais de ne pas mettre de noisettes entières dans l'entremets pour ne pas tomber dessus quand on coupe. Donc là, c'est pareil. Je réduis la taille de ma noisette en la coupant au minimum en deux. Après, est-ce que si on le fait au mortier, on peut... On peut le faire au mortier, on peut le mettre dans une poche à douille avec un rouleau pâtisserie, on tape dessus pour faire des débris de noisettes. Il y a différentes façons de faire. Moi, je coupe tout simplement au couteau. Mais il n'y a pas de... Ma méthode n'est pas meilleure qu'une autre. Hein. Voilà. On essaye de répartir équitablement de façon à ce qu'il y ait de la noisette dans toutes les parts. On imagine que le gâteau sera découpé en 6 ou en 8, selon les rations qu'on va faire. Il faut qu'on retrouve cette noisette qui va donner du croquant dans chaque part. Très bien. Donc ça, notre insert est terminé. On va le filmer et le placer au congélateur. Cette préparation peut être faite plusieurs jours à l'avance. Donc si vous anticipez bien votre recette, et je peux vous garantir que ça vaut le coup de la faire, cette recette, vous pouvez faire la recette étalée sur 2, 3, 4 jours, même plus. Hein. C'est à vous de vous organiser à la maison. Donc au frais. Congélateur. Au congélateur. Voilà, maintenant on va faire donc notre chantilly noisette. Alors c'est une recette très facile à faire la veille, obligatoirement, ou au moins le matin pour le soir, parce qu'il faut qu'elle prenne bien le froid. Il nous faut pour cela du lait, dont la quantité est très petite, c'est pour ça que j'ai une casserole de petite taille. C'est pas que je fais peu de quantité là pour la recette, c'est pas une démonstration, c'est vraiment les quantités nécessaires que vous devrez utiliser à la maison. Il nous faut de la crème. On va rajouter la crème dans le lait. On va rajouter également le praliné noisette. Et on va chauffer donc ces éléments. Et on ne va pas les porter à ébullition. On va s'arrêter à 45 degrés à peu près. Donc on va être assez vigilant. On veut quelque chose de tiède. Tiède pour pouvoir incorporer facilement notre gélatine. Notre gélatine qui est ici, non, gélatine en poudre, on peut utiliser la gélatine donc, de porc, qui est la plus courante, ou de poisson, qui bien sûr, je précise, ne donne pas de goût de poisson à l'entremets, heureusement, mais qui, il faut juste respecter le bloom. On est sur du 200-210 bloom, donc tant qu'on est sur le même bloom, tout se passera bien. Combien de temps au congélateur, chef Philippe? Ça peut rester au congélateur plusieurs jours. Pour l'insert, hein. Oui.
Oui, sans souci. Alors, comme on rappelle, donc pour Fabienne qui posait la question, on peut faire avec des morceaux de noisettes plus petits les inclusions, ça c'est pas gênant. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent depuis partout. On a des gens d'Angleterre, on a des gens de Tanger, d'Algérie, de Tunisie, parce que du coup les gens nous le disent. Donc on vous remercie de nous suivre. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute la recette depuis le début, elle sera redisponible du coup sur YouTube en streaming. Et Chef Philippe nous réalise un entremets infiniment noisette du Piémont, qui est un entremets très très gourmand et qui est fait avec le moule cylindra de Pavoni par Pierre Hermé. Donc je précise que oui, la recette, on peut la revoir en replay autant de fois qu'on veut, ce soir, demain, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, on verra. Mais n'hésitez pas à revenir et vraiment à prendre le temps d'écouter les explications, les petits détails qui font la différence. Parce que souvent, on survole les recettes et puis en fait, on a raté vraiment le... Et puis si vous avez des questions qui vous viennent après, sur le site, vous avez la recette qui est illustrée pas à pas, avec la possibilité de commenter ou de poser des questions. Et pareil, sur YouTube, vous pouvez nous mettre vos questions, on y répond avec plaisir. Oui, la recette illustrée est déjà en ligne, hein. Je ne sais pas si c'est ça que tu as dit. Oui, donc avec tous les ingrédients et les proportions, tout est indiqué. Puis s'il y a des choses qui vous ont posé problème ou des interrogations, partagez-les nous aussi, parce que c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte au fur et à mesure de la recette. Mettez un petit avis en bas de la recette et j'y réponds tous les jours ou tous les deux jours, ça dépend du travail que j'ai à faire. Mais j'y réponds très, très régulièrement de façon à... Ça peut être un avis, une impression, un avis personnel, il n'y a pas de question en particulier, mais ça peut être une question aussi qui vous a freiné dans votre élan. Et pourquoi ceci, pourquoi cela, j'ai fait ceci, j'ai pas réussi, pourquoi et comment? Vous me demandez. À la base, c'est juste fait pour donner des avis. Mais en fait, avec le temps et l'expérience, on se rend compte que cette rubrique, c'est plus comment poser une question au chef. Et donc, vous pouvez soit donner un avis, soit poser une question. Il n'y a pas de souci, j'y réponds. Quand vous dites qu'on va chercher une température assez tiède, on compte une quarantaine de degrés. 45. 45, très bien. Alors, on veut une température pour incorporer notre gélatine. Alors la gélatine, 45 degrés, c'est pas très chaud. La gélatine, elle est hydratée. Elle est encore ici dans mon récipient. Pour l'instant, je fonds mon chocolat qui va rentrer dans la composition de cette chantilly. Mais ma gélatine, pour être sûr de bien l'incorporer, je vais la faire fondre également au micro-ondes pendant quelques secondes. Donc on va attendre que ce soit bien fondu. Alors ça va assez vite, donc attention à la maison. Combien de temps vous a-t-il fallu à mixer au mixeur pour obtenir 15-20 minutes. Plus on mixe, plus on obtient quelque chose de fin. Mais obtenir un praliné lisse, on dit lisse quand il n'y a pas de morceau du tout, comme chez le praliné qu'on achète dans le commerce en fait, à la maison c'est compliqué. Dans les laboratoires où ils font ces produits, ils ont des machines sophistiquées qui sont faites pour, avec des lames super puissantes. Donc, mais ils obtiennent à avoir une finesse. Mais à la maison, c'est compliqué. Et il y a un réel risque d'abîmer, voire de mettre hors service votre mixeur définitivement, parce que le moteur, il chauffe, en fait. Et ces robots qu'on a à la maison ne sont pas faits pour faire des travaux de ce type-là. Donc, il vaut mieux avoir un praliné à l'ancienne avec un petit peu de mâche à l'intérieur. Alors c'est très fin, hein, mais ça, c'est très goûteux, c'est très bon. Plutôt que de vouloir absolument obtenir quelque chose de professionnel, donc fin, et d'avoir un robot qui est mort et demain il faut aller en acheter un autre. Donc ici j'ai ma gélatine qui a fondu au micro-ondes, elle est liquide. Je la rajoute dans mon mélange les crèmes et pralinés. Voilà. Ensuite, ce mélange, je le rajoute à mon chocolat. Il faut que ce soit tiède aussi pour incorporer dans le chocolat, tu vois. Oui. Le chocolat, je l'ai fait fondre au préalable parce que ce n'est pas assez chaud pour faire fondre, rien qu'avec la chaleur de la base au praliné, mes pistoles. Donc les pistoles, je les ai fait fondre au four micro-ondes. Une fois fondues,
au fondu aux trois quarts, je rajoute mon mélange tiède qui doit être maintenant à 40 degrés à peu près. Et je mélange. Si on a des grumeaux, c'est pas grave. On va donner un coup de mixeur. Et pour finir, on va rajouter la seconde pesée de crème liquide. Donc crème entière, hein. 35% de matière grasse, 30-35. Vous pouvez la trouver sur notre boutique si vous n'en trouvez pas dans le commerce, parce que je sais que dans certains endroits, c'est assez difficile à se procurer. Donc sachez qu'on la propose. Donc là, je peux rajouter ma crème. Alors, nous avons beaucoup de questions. Donc, je vous laisse terminer la chantilly. Et puis, Et ensuite, on va mixer. Alors ça, c'est important pour avoir quelque chose de super homogène. Alors, le mixeur, on va avoir du mal à récupérer toutes les matières qui sont collées sur le fond du récipient. Donc, une fois que c'est mixé, on va terminer au fouet, vraiment pour avoir quelque chose de bien homogène. Là, je suis sûr de bien répartir tous les éléments. La gélatine, la crème, le praliné, qui soit de force identique partout. Il n'y a pas une partie où il y a un morceau de praliné qui soit resté mal mélangé ou comme ça. Voilà, vous voyez, on a une couleur très, très claire. Voilà, c'est pas la peine de mélanger pendant 3 heures non plus. Hein. Une fois que la préparation a une coloration homogène, on arrête. Et je vous disais, un petit coup de fouet pour finir, pour venir décoller sur les contours, en allant moins vite que moi, la préparation qui pourrait être restée collée et mal mélangée. Hop. Et ensuite, on vient filmer donc notre chantilly. Préparation qui se prépare le matin pour le soir, ou encore mieux, la veille pour le lendemain, ou l'avant-veille pour le surlendemain. Ça marche aussi. Pas 8 jours avant, mais 48 heures avant, ça peut être bien. 24 heures, c'est l'idéal. Et si on est pressé, le matin pour le soir. Et on vient vraiment appliquer notre film au contact donc, de la chantilly. Et cette chantilly, on la met au frigo. Très bien. Et c'est une fois qu'elle sera refroidie, donc elle va figer, du fait qu'il y a la gélatine, et on va la fouetter pour obtenir une texture légère. Alors, chef Philippe, j'avais plusieurs questions. La première, quel mixeur choisir si on veut faire son praliné soi-même? Et est-ce qu'on peut le faire avec un thermomix? Oui, le mixeur, peu importe. Tous les mixeurs vous permettront de mixer, d'obtenir votre praliné. Si vous devez en acheter un, regardez la puissance. Plus il sera puissant, mieux ça sera, bien sûr. Et pour le Thermomix, oui, évidemment, le Thermomix, c'est un gros blender. C'est un gros blender, quelque part, le Thermomix, qui a en plus une fonction de cuisson. Mais à la base, c'est une cuve avec une hélice au fond. Donc, c'est comme le blender, le Vitamix, on dit oui. Tout à l'heure. Donc, ça va fonctionner. Est-ce qu'on peut rajouter un peu d'huile de noisette pour accélérer le... Non, on ne va pas enrichir notre praliné en gras, alors qu'il y a déjà suffisamment de gras. Parfait. Je vais rebondir un peu sur cette question qui n'est pas bête non plus, parce que quand vous recevez un praliné, quand vous l'achetez tout fait, souvent il y a une pellicule d'huile, oui. Parce que le fruit sec et l'huile se séparent. C'est un peu comme une vinaigrette, c'est une émulsion instable. Cette huile, il ne faut pas la jeter. Cette huile, il faut la remélanger avec votre praliné, pour avoir une texture, la texture du praliné. Sinon, après, vous gardez que le fruit sec et le sucre, et vous allez avoir un praliné très épais. Si votre praliné a un peu d'âge, c'est-à-dire qu'il a plusieurs semaines, plusieurs mois, il se peut que votre praliné devienne très dur au fond. Donc dans ce cas-là, on peut le remixer à nouveau dans un petit mixeur de ce type-là. Alors vous cassez le praliné qui va être très, très pâteux, très ferme. Vous remettez toute l'huile qui vous reste du pot, vous mixez, et là, si vous obtenez un praliné qui est trop pâteux, beaucoup plus, j'en ai plus là, mais beaucoup moins liquide que celui que j'avais, je parle du praliné lisse que j'avais là tout à l'heure, là, vous rajoutez de l'huile. D'accord. Et vous allez rajouter de l'huile de pépins de raisin, qui est une huile neutre, donc il ne va pas apporter de goût spécifique. Vous n'allez même pas mettre de l'huile de noisette, non, huile de pépins de raisin. Et vous allez y aller tout doucement,
jusqu'à obtenir la bonne texture. Et là, vous allez retrouver un praliné qui est lisse, comme s'il venait d'être acheté. Un praliné a une date, une DDM, donc une date de consommation à consommer de préférence avant. Alors, il y a le mot préférence qui est important. Ça veut pas dire qu'une fois que la date est atteinte, que le produit n'est plus consommable. C'est juste que le produit peut perdre un peu de ses qualités. Et le praliné, pour moi, il n'est plus bon lorsqu'il est rance. Lorsqu'il est rance, on le s'en rend compte au goût et à l'odeur. Dans votre nez, même sans goûter, avec le nez, vous allez sentir votre praliné. S'il est rance, vous ne pouvez pas le consommer et ne pas vous tromper, quoi. Vous allez vous rendre compte qu'en effet, il y a un problème. Et là, il donnera un goût. Ce n'est pas qu'il va vous faire du mal niveau hygiène, niveau santé. C'est qu'il va donner un goût qui n'est pas bon. Donc faire confiance à ses sens par rapport à bien ça. Bien sûr, beaucoup en cuisine, beaucoup. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe aussi. Donc oui, tout à fait. Donc maintenant, on va faire le montage de notre entremets, parce qu'il faut bien y arriver. Alors je parle beaucoup, ouais, ça peut être un petit peu long. Mais c'est quand même intéressant de tout dire, parce que si je fais une recette avec... on passe d'une préparation à une autre sans savoir comment on y est arrivé, ça, c'est un peu compliqué. Donc il me faut le moule, que je vous ai montré en début, le moule Cylindra, c'est un moule de Pierre Hermé, que vous devez connaître, grand pâtissier français. Il n'y a pas sa photo, dommage. Et donc, c'est un des derniers moules, une nouveauté hein, chez Pavoni. Il est sorti il y a pas très longtemps. Et donc, voilà, j'ai voulu faire l'entremets qui est représenté sur la couverture, sur la boîte du moule, sans pour autant connaître réellement la recette, parce qu'elle n'est pas livrée avec le moule. Souvent, Pavoni ou Silicomart propose des recettes qui vont avec les moules qui vendent. Là, il n'y a pas de recette. Donc, j'ai quand même cherché à base de quoi a été fait cet entremets. Donc, biscuits moelleux, à la noisette, pâte sablée, praliné. Tout ça, je n'ai pas inventé. Mais les recettes, elles ne sont pas de Pierre Hermé. D'accord ? Donc, le moule. On va prendre une plaque à pâtisserie. On va prendre celle-ci. Elle est perforée, mais ce n'est pas grave. Ça ne gêne en rien. On va garder ça de côté. Je vais prendre le batteur. Tu vas aller me chercher rien du tout, c'est bon. Non. Je vais y mettre donc ma chantilly, ma base de chantilly, vraiment à gauche, s'il te plaît, voilà, qui donc est gélifiée. Vous allez voir, je retire le papier sans problème. Et ma préparation, elle est dedans, elle est gélifiée. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Alors, je transfère le tout dans la cuve de mon batteur, et là je vais le monter donc au fouet, mais pas trop longtemps. Je veux pas obtenir une chantilly trop ferme. Je veux quelque chose de souple, de léger. Pas parce que ça va être souple et léger lors du montage de l'entremets que ça va pas tenir une fois que le gâteau sera fini. D'accord. Ça, il faut bien le comprendre, que ce soit dans toute préparation, que ce soit une mousse au chocolat, une mousse aux fruits, souvent on incorpore une crème fouettée en fin de préparation. Et on se dit, si je mets une crème trop souple, ça va s'écrouler au démoulage ou alors quand ça sera sur table. Non. Mais c'est bien d'avoir une crème souple pour le montage. Donc là, on va fouetter. Donc là, je peux aller directement avec une vitesse rapide. Et on appelle ça le foisonnement. Et là, la texture va changer. Et ma chantilly va prendre un peu de corps. Mais je ne vais pas aller trop loin. Je le répète, c'est important. Donc là, je me sers de ma vue. Et vous allez voir en temps réel le temps qu'il faut pour la monter. Je vais bientôt l'arrêter là. Voilà. Ça a duré quoi ? 30, 40 secondes peut-être ? Je m'arrête là. Je reste sur quelque chose qui est très souple. Regardez, on a un petit bec d'oiseau, même si le terme n'est pas approprié parce que on dit ça pour les meringues ou les blancs montés, mais on a une crème qui reste souple. Et plus elle sera souple, plus vous aurez de facilité à faire le montage de votre entremets. Tu vas aller me chercher l'insert, s'il te plaît, oui, qui est dans le congélateur. Alors celui qu'on a fait en amont, bien sûr, hein, c'est pas celui de ce soir.
Je vais prendre une poche à douille. Alors pour ceux qui ont le repas préparé, je sais, l'école a repris, les enfants vont à l'école demain. Allez, dans 10 minutes, grand maximum, on a fini. Un peu de patience. Alors, ce soir, ils ont pas mal de questions. Donc, pendant qu'on avance, je vais en poser une qui est celle de Gaspard. Est-ce que, donc toujours sur le praliné, hein, ça génère pas mal d'interrogations, est-ce qu'à la manière d'un beurre de cacahuète, on peut utiliser le fruit sec de base sans sucre et réaliser un beurre de noisette, puis rajouter le sucre qui va chauffer dans le mixeur et donner un praliné? Non, le sucre, il faut qu'il caramélise. Il n'est pas caramélisé si on rajoute le sucre dans le mixeur. Donc, un beurre de cacahuète, personnellement, j'en mange pas. Mais sauf erreur de ma part, c'est non sucré. Si, c'est un peu sucré. Si, il y a du sucre. Ouais. La pâte d'arachide qu'on peut trouver dans les épiceries africaines ou asiatiques, c'est pas sucré parce que justement, on peut l'utiliser en cuisine pour réaliser des maffés, par exemple, ou ce genre de plat. Ou un butter chicken, par exemple. Mais le beurre de cacahuète, lui, est légèrement sucré, oui. En fait, moi, j'en mange pas, donc... Mais non, si on rajoute du sucre comme ça, il faut que le sucre ait subi une cuisson et qu'il soit au moins caramélisé. Donc, j'ai mis ma chantilly dans une poche à douille. J'ai mon insert qui est ici, qui est donc congelé, que je vais démouler au dernier moment. Je vais juste venir à appliquer ma chantilly. Alors, pas besoin de douille pour ça, hein. C'est juste du remplissage. Je vais venir appliquer ma chantilly d'abord dans la rigole qui est ici à l'intérieur tout autour. C'est important de bien la remplir pour éviter les bulles d'air au maximum. Alors même en faisant attention, on arrive à faire des bulles d'air. Mais si on fait encore plus attention, on arrive vraiment à les limiter. Là, je vais venir remplir le fond. Oui, j'ai une chantilly souple. Et avec une petite palette, je vais venir donc déjà commencer par bien écraser ma chantilly dans tous les reliefs du moule, sur le fond. Si sur la partie supérieure, on a quelque chose qui n'est pas net, on a de la bulle d'air, c'est pas grave, on a le praliné qui va venir couvrir et cacher. Donc on s'applique plus sur la bordure. Et donc on va avoir besoin de venir tapoter un peu le moule ou c'est pas nécessaire pour enlever les bulles, non? Non. C'est trop compact pour que les bulles d'air remontent. Ensuite, je viens appliquer une partie de la mousse sur le bord. Et ensuite, je vais faire remonter donc la préparation en écrasant bien sur les bordures pour là aussi bien plaquer la mousse, enfin la chantilly, sur la bordure du moule et faire éviter la formation de bulles d'air. On peut passer deux fois si on a peur de ne pas l'avoir fait assez bien, assez longuement. Voilà. Ensuite, on lisse un petit peu. Ça, c'est un détail, c'est pas très important. Voilà, j'égalise au fond. Et je prends donc mon insert. Vous voyez le ruban PVC. Alors, je vais me décaler pour que Clément puisse bien montrer avec le ruban PVC. Hop, je démoule tout seul. Donc ça, c'est très pratique. Si vous n'avez pas de ruban PVC, il faudra chauffer le cercle avec un chalumeau ou alors avec la main, en faisant ce geste-là, comme ceci. Chauffer tout le tour du cercle de façon à pouvoir démouler votre insert. N'oubliez pas de retirer le papier, ça serait dommage. Voilà. Et vous allez donc retourner votre insert et mettre donc la partie noisette en dessous. Hop, je me repositionne comme ceci, bien au centre, et vous l'enfoncez en le faisant tourner. Alors le but, c'est pas de l'écraser au fond et de retoucher le fond du moule. Hein. On l'enfonce dans la chantilly de façon à laisser la place pour introduire le restant de crème et notre biscuit. D'accord. Qui servira de base à notre entremets. Alors tout à l'heure, j'avais parlé de beurre mécrio qu'on aurait pu mettre sur le biscuit à la sortie du four. Oui. Alors, j'ai précisé une petite chose. Le beurre mécrio, on va le mettre à une seule condition.
c'est qu'on ne fasse pas la cuisson en sandwich entre deux sylpains. Si on cuit notre disque de biscuit sur un papier cuisson ou sur une toile de silicone sans rien dessus, là, à la sortie du four, on saupoudre. Si, bien sûr, il est en sandwich entre deux sylpains, on ne met pas le beurre de cacao Micryo, parce qu'évidemment, le démoulage ne peut pas être fait de suite, donc si on ne peut pas saupoudrer, quoi, en fait. D'accord. Voilà. C'est pas un oubli, c'est selon la façon dont on procède. Tu vas me passer, s'il te plaît, la plaque. Oui. Donc là, on va procéder au démoulage. Voilà, vous voyez. En le retirant comme ceci, ça se décolle tout seul. Il n'y a rien qui reste collé à la toile. Et ici, je peux la soulever facilement. Voilà ce qu'on obtient. Donc un biscuit qui est parfaitement cuit, qui est parfaitement homogène en épaisseur et qui est bien plat. Et puis on voit bien du coup les petits reliefs. Et on voit, oui, le petit quadrillage. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Clément, tu me confirmes ou non ? Moyen. Mais bon, je vous garantis, il y est. Ou peut-être sur l'envers, on le verra mieux. Oui, ça va, on garde les caméras pour cette année. C'est bon. Elles sont assez nettes. Donc voilà. Donc là, il est froid, bien sûr, important. Je continue, je vais rajouter donc de la chantilly. Voilà, vous avez la quantité pour un entremets. Il va vous en rester peut-être un tout petit peu de la chantilly. Mais il n'y a pas de gaspillage ce soir. Alors, comment nettoie-t-on les sylpins ? Dans l'eau. Dans l'eau, voilà. On fait tremper ou à la machine. Et ensuite, on les sort de l'eau, on les rince, on les secoue et on laisse sécher à l'air libre. Alors, on avait plusieurs commentaires de Smartuitive et de Capucine dans le beurre de cacahuète américain peanut butter, c'est sans sucre. Je vous invite vraiment à regarder les ingrédients. Vous avez toujours non, il y a du sucre. Si vous regardez, la plupart de ceux que vous allez trouver en France, il y a toujours un petit peu de sucre ajouté. Voilà, donc je vérifie en même temps. Et dans l'américain ? Alors, en France, on a celui de Menguiz, on en a pas mal de marques distributeurs, il y a toujours un petit peu de sucre. Voilà, donc l'américain, je ne sais pas, mais les autres, oui. Voilà. Parce que là-bas, c'est américain. Et ici, je vais venir donc présenter mon biscuit, vérifier la taille. Alors, si le biscuit est légèrement grand, ça peut arriver. Je vais vous donner un petit truc, parce que je sais qu'il est un poil trop grand. Et malheureusement, il n'y a pas de taille intermédiaire. C'est en fait le diamètre du moule qui n'est pas tout à fait de diamètre 20. Donc, mon disque est un peu trop grand. Et je vais venir juste passer un petit peu la râpe microplane comme ceci sur le pourtour. Mais ça va vite, vous voyez. Je le fais sur tout le pourtour, mais assez rapidement. Donc, si j'enlève 1 mm de chaque côté, ben, je suis à 2-3 mm en moins de diamètre. Et ça va suffire pour le faire rentrer dans mon moule. En plus, ça permet d'avoir une finition beaucoup plus nette sur le biscuit, sur tout le pourtour. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors là, je fais la microplane, mais à la maison, vous faites avec une râpe, la râpe que vous avez, peu importe. Alors, pour les gens qui utilisent la sylpin pour faire des petits choux, des petits éclairs ou comme ça, on me dit qu'il y a toujours des petits bouts de pâte à choux qui restent à l'intérieur pour le nettoyage, pour vraiment enlever tous les On fait petits. Tremper. On fait tremper. Oui, oh oui, on fait tremper. Le petit morceau de pâte sec qui est resté dans le trou, il va s'humidifier avec l'eau de la plonge, en fait, et dans de l'eau chaude, et puis... Après, c'est un rinçage soit à la douchette, soit avec une éponge un peu abrasive, et ça s'en va. Voilà, je l'ai appliqué donc au contact de ma chantilly, que ça adhère bien. Hein. Et là, j'ai plus qu'à le filmer. Donc là, l'entremets est terminé. On peut le faire plusieurs jours à l'avance, le conserver au congélateur jusqu'à cette étape-là, sans aucun souci. Voilà. Donc je vais te le donner. Au congélateur. Laisse-le là pour l'instant. Et quand tu iras le mettre au congélateur, c'est quand tu iras me chercher l'autre qui est prêt à être floqué. Sinon, tu n'auras peut-être pas assez de place. Donc ça, on va le mettre de côté. On va faire un peu de place. On va arriver
au démoulage et à la finition. Nina, tu parles de trop. On avait dit 10 minutes. Elles sont écoulées, on n'a pas fini. On va les garder, ces pauvres gens. Je plaisante, bien sûr. Non, là, je protège mon temps de travail parce qu'on va pulvériser donc du perlé velours. Alors, beaucoup connaissent ce produit, peut-être que d'autres vont le découvrir ce soir. C'est un produit à base de beurre de cacao qui est prêt à l'emploi, contrairement à d'autres où il faut les chauffer au bain-marie. Donc celui-ci est très pratique et qu'on pulvérise donc sur un entremets. L'entremets doit être toujours glacé, doit être hyper lisse. C'est-à-dire qu'on ne va pas pulvériser ce produit sur une génoise par exemple ou sur un biscuit directement. Voilà, c'est ce produit-là. On a choisi la couleur brun donc, qu'on va utiliser ce soir. J'ai un plateau tournant, ce n'est pas obligatoire mais c'est pratique. Pour moi, pour le faire tourner et aller sur tous les côtés du gâteau. Une plaque à pâtisserie recouverte de papier film pour le protéger. Parce que comme c'est gras, ben, si j'en ai partout, ben, après c'est plus compliqué à nettoyer. Tu peux aller me chercher l'entremets. Et celui-ci, tu le mets à la place. Et on va donc pouvoir le faire le floquer. Alors, le spray... C'est un peu comme un spray de peinture sous pression, sous aérosol. Donc, il y a une bille à l'intérieur. On va secouer jusqu'à ce que la bille claque bien. On a perdu Nina. Non, j'arrive. Hop. Nina est tombée dans le congélateur. Non, il y avait un autre entremets qui s'est collé à votre plaque, chef. Oh. Hop. Alors, pour ne pas vous en sortir deux. Encore plein de gourmandise dans ce couchage-là. Donc voilà, l'entremets qui est là. Clément, si tu veux que je me déplace un petit peu, comme ça, tu préfères ? On va faire comme ça. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez bien voir chez vous à la maison. Donc, je vais retirer mon papier film. Alors ça, vous le faites sitôt sorti du congélateur. Il n'y a pas de « j'attends 5 minutes, il n'y a pas le feu ». Non, non. Là, il faut le faire très vite. Et je viens décoller, en fait, mon moule sur les côtés de l'entremets. Donc, vous l'avez laissé combien de temps au congélateur, chef ? Celui-là, il est fait depuis hier. Mais ça peut rester 8 jours, 15 jours. D'accord. Mais avant de démouler, le minimum, ce serait du coup une nuit ? Une nuit, oui. Et je viens le démouler, un peu comme quand on se retire les chaussettes, tu vois. Tu prends le moule et clac, tu retires. Et là, on a notre entremets qui est démoulé. Alors, si le montage a été bien fait, il n'y a pas de bulles d'air. Il y a toujours des petites bulles d'air qui sont par-ci, par-là. Et ensuite, on prend donc notre spray. Je fais une petite dose d'essai pour être sûr que la couleur est bien présente. Au départ, le spray sort blanc et après, la couleur arrive. Et là, je pulvérise en me mettant à 20-30 cm de distance. Et je le couvre donc de spray. Une fois qu'il est couvert, je n'en rajoute pas plus qu'il ne faut. Sinon, après, ça va faire comme des pâtés et ça, c'est moins joli. Alors, il y en a sur le site pour répondre aux questions et vous avez plusieurs coloris au choix. Oui, il y a le rouge, le vert, le jaune, le blanc, le orange, je crois, le marron. Et voilà. Donc ça, je vais te le redonner. Tu vas le mettre dans le frigo. Hop. La congélation, c'est fini. Là, c'est parce qu'on va le manger bientôt. Donc bientôt, c'est dans 4-5 heures. On va laisser dégeler. Et tu me ramènes celui qui est dans le frigo qui est dégelé. Donc j'ai anticipé un petit peu avec un entremets que j'ai voulu avoir dégelé pour vous le présenter et pour vous montrer surtout l'intérieur. On me demande souvent, on peut faire la découpe. Alors si l'entremets est congelé, qu'il est à moins 26 degrés là il était, ça va être compliqué. Doucement Nina, s'il te plaît. Je te vois arriver à toute vitesse, tu me fais peur. Mais non.
savez bien que je ne suis pas maladroite. C'est pour ça. Alors, pour éviter la cristallisation au congélateur de la préparation, comment fait-on ? Pour éviter la cristallisation au congélateur. Il faut bien le protéger. Il faut bien le protéger. Si ça cristallise, c'est que l'humidité qu'il y a dans le congélateur est venue se déposer sur l'entremets. Donc, on le protège bien. Voilà, je l'ai mis sur le plat de service. Et là, on va venir donc déposer dessus notre praliné. C'est la dernière étape, ou l'avant-dernière, on va dire. On va reprendre une poche à douille. Je dis toujours poche à douille, je devrais dire poche pâtissière, c'est plutôt le bon terme. Je la réduis un petit peu parce qu'elles sont très grandes, celles que j'ai. Ça, c'est un détail. Voilà. Alors, pour la petite histoire, est-ce que vous savez comment on dit poche à douille en italien ? Sac à poche, voilà. C'est vrai ? Voilà, bon. On a exporté le français en Italie, voilà. Ah ouais, oui. D'accord, sac à poche. Oui. Sac à poche. T'es sûr de toi, là ? Ah oui, quasiment, oui. Parce que tout le monde vérifie. On a Maria qui, qui regarde la vidéo, mais qui nous dira si jamais c'est pas bon. Tout le monde est en train de vérifier. Nina, tu vas te faire huer. Donc, je vais prendre mon praliné que j'avais fait en amont, que je vais mettre donc dans ma poche. Alors, pourriez-vous couper pour que l'on voit l'intérieur, chef ? Oui, quand ça sera fini. Oui, ça sera coupé. Tu vas aller me chercher une assiette, oui. Nina, pour mettre la part. Est-ce que j'en ai assez ? Oui, je pense. Une jolie assiette. Non, mais du marron, ça va pas aller. T'as pas une assiette en... Voilà, ça, ouais. Je vous rassure, Nina n'est pas maltraitée, même si je lui parle un petit peu. C'est un petit jeu entre nous aussi. On nous a changé certaines choses de place, donc du coup... Oui, t'as pas eu tes repères. C'est ça. C'est en 3 mois, ça m'est passé des choses. Hein. Enfin, deux mois et des brouettes. Donc, on va venir mettre notre praliné d'abord sur le pourtour. C'est le flocage au centre est pas très bien fait aussi. Il y a des bulles d'air, c'est pas grave. Et ensuite, on vient garnir. Alors, on n'en met pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dégouline partout. Voilà, on en met comme ceci. Et ensuite, avec une petite palette ou une cuillère, on vient l'étaler délicatement. Et c'est vrai que du coup, ça vient sublimer l'esthétique de l'entremets, quoi. Voilà. Ben, c'est le dessert qu'avait pensé Pierre Hermé à la base. Alors, il manque les noisettes dessus, on va les mettre. Hein. Je vous montre la recette de Pierre. Voilà. Et celle qu'on réalise. On a juste changé un petit peu les couleurs du flocage, mais en dehors de ça, c'est pareil. Donc ici, j'ai des noisettes qui ont été torréfiées, donc passées au four. Je vais juste les couper en deux. Certaines vont perdre leur petite pellicule marron qu'on va conserver pour la présentation. Si la pellicule ne se défait pas, on frotte un petit peu les noisettes et elle va se défaire. Et on va alterner donc de la noisette et de la pellicule sur l'entremets de façon à répartir tout ceci sur notre entremets infiniment noisette du Piémont.
Donc là, on a utilisé des noisettes qu'on a torréfiées ou c'est pas la Oui, peine? Oui. oh oui, celles-ci sont torréfiées, comme celles qu'on a mis à l'intérieur dans l'insert. Hein. Ça amène plus d'arôme du fruit sec, en fait. Hein. De toute façon, si elles n'avaient pas été torréfiées, je ne pourrais pas décoller les petites membranes brunes qu'entourent les noisettes. Là, le fait qu'elles soient torréfiées, ça se décolle tout seul. Et puis, tu as regarde, le cœur de la noisette, qui est légèrement brun, Ouais. qui ne serait pas brun s'il n'y avait pas eu de torréfaction non plus. Voilà, comme ceci. Et donc, là, l'entremets est censé être encore congelé dans l'hypothèse où on est à la maison, chez vous. Donc, vous le mettez au frigo et vous le laissez dégeler. Comptez quand même 4 heures minimum au frigo, pas à température ambiante, que l'entremets reste entier, qui garde bien sa forme. Et si vous mettez à la chaleur, surtout en ces périodes de canicule, il ne va pas apprécier longtemps. Et puis après, vous le sortez sur table au dernier moment pour le dessert. Très bien. Donc maintenant, on va faire la découpe. Qui c'est qui a demandé la découpe? Alors, c'est Gaspard, il me semble. Ce Gaspard va pas être Alors, content, attendez, sinon. non, c'est Julien. Oh, Julien. Julien, voilà. Donc, allez. Qui vous dit que votre entremets est magnifique, soit dit en Ah, passant. merci Julien. Et nous avons Chérine sur Twitch qui a vérifié. Donc, oui, c'était bien sacapoche en italien. Voilà, ce n'était D'accord. pas une blague, c'était sérieux. Eh bien, on apprendra tous les jours. Alors. Alors, le praliné qui est dessus est légèrement coulant lorsqu'on retire une part. Vous devez repenser à la chose en vous disant, mais ça va dégouliner partout. Ça dégouline très légèrement. Mais ça dépend de la quantité de praliné qu'on met. Plus on en met, évidemment, plus il y aura de risque que ça dégouline. Mais si vous en mettez une épaisseur correcte, il n'y a pas de souci. 4 heures de décongélation tempérée ou au frigo, Au hein. frais, Au frais, hein. D'accord. toujours. Et combien de temps peut-on garder les noisettes torréfiées, chef? Oh, là aussi, on se sert de son odorat. Quand c'est rance, c'est plus bon. Mais le rance, c'est difficile à expliquer ce que c'est. Mais ça se. Vous pouvez pas le rater, quoi. Ouais. Quand c'est rance, c'est pas bon. Et voilà. Hop. Et je vous montre l'intérieur. À la caméra. Voilà, c'est fini pour ce soir. On vous libère. Nous espérons vous avoir donné envie de réaliser cet entremets. Donc, pas de stress. Vous avez du temps devant vous sur 2, 3, 4 jours, 8 jours. On le fait progressivement. On peut faire le praliné un jour, ça se conserve. Le lendemain, on fait la pâte sablée. Le surlendemain, on fait le biscuit. Et progressivement, comme ça, on additionne les différentes étapes et on arrive au résultat final. Et je peux vous garantir que vous allez vous régaler. Ouais. Nina, je te remercie. Merci à vous. Dans la recette, et bien sûr, sur le site, vous tapez entremets infiniment noisettes du Piémont. Clément a dû mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis, il n'y a plus qu'à. Vous avez tous les éléments pour y arriver. On vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dans 15 jours. Nous allons faire des New York Rolls au citron meringué. Ah, vaste programme. Bonne soirée, à Bonne soirée, bientôt. au revoir. Au revoir.